faudrait peut-être que le salarié, enfin le stagiaire, fasse une petite photo qui soit plus adaptée à son CV ou domaine d'activité. Candidater dans une entreprise commerciale en venant d'un horizon ou d'horizons complètement différents, il faut quand même qu'il y ait un lien entre les formations, le parcours et puis l'entreprise commerciale qu'elle crée agricole par exemple. De mettre en avant des expériences qui ne sont pas forcément en lien avec le stage recherché. Voilà. Qu'est-ce qui selon vous est rédhibitoire sur un CV ? Les fautes d'orthographe et de conjugaison. D'avoir un CV qui n'est pas adapté au domaine dans lequel on va postuler. Par exemple, si on postule en comptabilité, il est préférable de faire quelque chose de plutôt soft. Les fautes d'orthographe, ça c'est insupportable. Des fautes de syntaxe, une non-maîtrise du français, je crois que c'est pas acceptable.